Hey, bonjour les gars, comment ça va? Alors, moi j'arrive du Ice Age et je vais vous raconter les meilleures blagues du monde. Donc, bienvenue dans la chaîne Croquis et Stocky et on commence avec les blagues du ouf. Une vieille femme est proche de la mort. Son mari est à ses côtés pour l'accompagner dans ses derniers instants. La femme demande à son mari: file dans le grenier. Au fond à droite, tu trouveras une boîte. Le mari s'exécute de suite et monte au grenier. Il découvre la fameuse boîte pleine de poussière dans laquelle il y a 5 œufs. Et 150 000 euros. Il revient après de sa femme avec la boîte et lui demande étonné: C'est quoi ces 5 œufs? Sa femme lui répond. Eh bien, c'est simple. Chaque fois que je n'avais pas d'orgasme avec toi, je mettais un œuf dans cette boîte. Le vieux homme, fier d'avoir été un bon étalon, lui demande alors. Mais, et c'est 150 000 euros? Elle lui répond. Chaque fois que j'en avais une douzaine, j'allais les vendre au marché. En voyage à l'étranger, un cadre commercial termine ses affaires plus tôt que prévu et envoie à sa femme un SMS: sera du retour à la maison jeudi, bisous. Le jeudi, il arrive chez lui et trouve sa femme au lit avec un autre homme. Sans un mot, il quitte l'appartement, va trouver sa belle-mère et lui raconte tout. Ce n'est pas le genre de ma fille, dit la dame. Il a sûrement une explication. Le lendemain, la belle-mère, tout souriante, revoit son gendre. Je savais bien qu'il n'avait une explication, hein. Elle n'a pas reçu votre SMS. C'est la fin du monde et tous les individus de la Terre se retrouvent dans une file d'attente pour entrer au paradis. Dieu apparaît et dit, je veux que tous les hommes se placent sur 2 lignes. Une ligne pour tous les hommes qui étaient réellement à la tête de leur ménage. Et l'autre ligne par ceux qui ont été dominés par leur épouse. Les femmes, elles, peuvent se présenter directement à Saint-Pierre. Une fois les femmes parties, les hommes se placent sur 2 lignes. La ligne des hommes dominée par leur épouse s'étire sur plus de 500 km. Tandis que dans la ligne réservée à ceux qui avaient mené leur couple, on ne comptait qu'un seul homme. Dieu s'adresse d'abord à ceux de la longue file. Vous devrez avoir honte de vous. Je vous ai créé par être des dirigeants du foyer. Vous m'avez désobéi et vous n'avez pas rempli votre mission. Parmi tous les hommes, un seul m'a obéi, écoutant lui et retenant sa leçon. Dieu se retourne vers le seul homme de l'autre ligne et lui demande, comment avez-vous fait pour être le seul homme dans cette file? L'homme lui répondit, c'est ma femme qui m'a dit de me placer ici. Et voilà, c'est fini mes amis. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour avoir les meilleures blagues du monde. Moi, je vous dis au revoir, bonne soirée et à très très bientôt des amis.
Au revoir.